Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Days Gone. Donc rouler jusqu'au lieu indiqué. Ok, ça marche. Donc la lave continue de couler. Donc on va faire cette petite mission. On est juste à côté. Allez hop. Attends, je vais peut-être prendre la bécane. On sait jamais. J'ai réfléchi à ce que t'as dit. Tu sais, faire un truc pour la communauté, pour remercier le camp. Je t'écoute. T'as un peu de temps? Je vais te montrer. Ouais, je dois pouvoir t'accorder une minute ou deux. Alors, où tu m'emmènes? T'as déjà visité les grottes au nord du lac? Je vois lesquelles c'est. Bon, on va voir si tu tiens la distance. Ok. Ça marche. Bon, bah ok. Je suis marathonien, donc moi ça me gêne pas, hein, perso. De toute façon, je dois aller nettoyer le marais ce matin. Faut que je vérifie si des mutants sont pas embourbés. Ça remonte à quand la dernière fois que t'es allé là-bas? Quelques années, je dirais. Quand j'étais gamin, je passais mon temps dans ces grottes. Mon père aimait se prendre pour un géologue. On en a quelques-uns. Des mutants embourbés, je veux dire. Ouais, on dirait bien. Je vais leur régler leur compte. Et hop. Ok. Beau boulot. Je crois que Schizo a une nouvelle recrue toute désignée. Ouais, ben, tu sais ce que je lui dis à Schizo? Enfin bon, comme je te disais, il passait des heures à expliquer comment elle s'était formée, comment les coulées se solidifiaient dehors pendant que la lave en fusion continuait à couler à l'intérieur. Il y avait les grosses grottes à touristes, comme la grotte Bétolius de ce côté. Mais les merveilles s'arrêtent pas là. Il y en a partout par ici. J'ai les carrés, hein. Il y a des bonnes épaules. Hein. Ok, ok. On approche de l'autoroute. Faut se la jouer discrète. Ouais, je sens qu'il va y avoir du nord, du monde de ouf. Ok, baisse-toi, baisse-toi. Là, il y a du monde. Bordel de merde! Alors c'est pour ça que tu me fais venir ici, pour me présenter cette bande de mutants. C'est ça. Ok, ok. Allez, suis-les. Oh là là, les suivre pour aller où, juste? Tu verras. Viens. Il se méfie. Va se planquer. Ah, il y a du monde, hein. Ouais. Ah, vas-y, reste planqué, l'outil cavale déjà. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre, Dick? Ça m'a pas l'air très malin, même pour un drifter dans ton genre. Attends, attends. Tu te souviens quand tu me disais que les touristes californiens débarquaient en masse pour l'été et qu'ils bouchaient la 97 et la I5? Ouais, en juillet, les gens suaient tellement qu'ils puaient autant que les mutants. T'avais raison sur un point. Ces mutants. Ouais. Les gros groupes que certains appellent les Hordes. Je crois que c'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à réduire leur nombre. Comment ça? Réfléchis. Ça fait plus d'un an que je collecte les primes dans le No Man's Land. Pareil pour vous, Eki, Schizo, quelques autres. Ça, c'est beau à voir. Hein. Combien de mutants j'ai buté? Pas mal. Et comment tu dois être en stress, là? La vérité. Déjà, ça doit... Bon, lui. Putain, qui... Ah. Ça, c'est Iron Mike. Reste planqué. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Comment ça doit puer, tu sais? Déjà, malade, quand t'as une petite un souris chez toi, ça pue. Mais alors là, il y a un truc de putréfaction. Là, les mutants là qui sont en train de pourrir là. La 97 et la I5. Ouais, en juillet, les gens suaient tellement qu'ils puaient autant que les mutants. T'avais raison sur un point. Ces mutants. Tu vois, déjà que les gens, pas de déo, ça chlingue. Je crois que c'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à réduire leur nombre. Mais Iron Max, sérieux, tu vas te mettre bien. Réfléchis. Ça fait plus d'un an que je collecte les primes dans le No Man's Land. Pareil pour Boozer, Ricky, Schizo, quelques autres. À ton avis? Combien de mutants j'ai buté? Pas mal. Ouais, pas mal. Et il en vient toujours plus. Où tu veux en venir?
C'est ces hordes. Chaque soir, elles envahissent. Mais non. Alors, c'est, donc ça veut dire que le tracé de Iron Mike, il est pas bon. Faut vraiment que moi j'attende. Reste planqué. Qu'est-ce qu'on est en train de... Ou sinon, faut que je lui colle au basque comme y'a pas. Ça m'a pas l'air très malin, même pour un drifter dans ton genre. Attends. Tu es sûr qu'on serait monté sur la droite? C'est pas plus rapide. Hein. Débarqué en masse pour l'été et qui bouchait la 97. Tu veux pas venir par là, là? Ici. Vas-y, Iron Mike, je te laisse y aller tout seul. Ouais, c'est ça. T'avais raison sur un point. Ces mutants, les gros groupes que certains appellent les hordes. Je crois que c'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à réduire leur nombre. Comment ça? Ouais, c'est magnifique. Réfléchi. Ça fait plus d'un an que je collecte les primes dans le No Man's Land. Pareil pour Boozer, Ricky, Schizo, quelques autres. À ton avis, combien de mutants j'ai buté? Pas mal. Ouais, pas mal. Mais il en vient toujours plus. Voilà. Tu vois, moi je reste là, je suis pépère. Comme ça, j'ai juste à monter. Et je vais voir si c'est pas lui qui fout le bazar. Non, non, moi je l'attends. Moi je fais plus rien. C'est ces hordes. Chaque soir, elles envahissent l'autoroute de Santiam. En continu, des milliers de mutants débarquent dans la vallée de Lost Lake, au nord des Cascades. Et tu penses qu'ils viennent de Californie? Voilà. L'autoroute est bloquée, personne n'est allé au sud du col de Santiam depuis des années. Les hordes peuvent passer. C'est à cause des mutants qu'elle est bloquée. Bref, enfin, ce que je veux dire, c'est que chaque soir, les hordes déboulent. Et qu'on peut rien faire pour les en empêcher. Ils sont nombreux quand même. Bah, c'est clair que tu te fais déchiqueter. Ça, c'est pas moi qui vais te contredire. Et j'en ai perdu des hommes à cause de ça. Ouais, je sais. J'étais là. Et chaque horde de passage laisse quelques traînards ou se fait surprendre. Et se disperse. C'est pour ça qu'on voit des mutants là, un peu partout. Même quand on les voit pas, on sait qu'ils sont là tout autour. Si on trouvait comment empêcher la... Pourquoi il a sorti son pétard là? On arrêterait de brasser du vent. On réduirait vraiment leur nombre. Le coin serait plus sûr, on libérerait des terres cultivables, on faciliterait l'irrigation. Ouais. Ok, et comment on s'y prendrait? Tu sais comme moi qu'on peut pas s'attaquer à une horde, comme tu dis. Faut un éboulement, hein, sinon. Hein. Que le diable m'encule. Tu l'as dit. Il passe toute la journée ici à hiberner ou à faire je sais pas quoi. Donc tu te disais qu'on pourrait... Tout juste. On fait tout sauter. On place de la dynamite ici, ici et ici. On fait s'effondrer la montagne et on en finit avec cette merde. Bon, on peut en piéger une centaine, mais en quoi ça nous avancerait? Non, tu comprends pas. Si on scelle cette grotte, ils auront nulle part où dormir. Ou peut-être que cette traînée de pisse et de merde va finir par s'assécher et qu'ils arrêteront enfin de venir. Bon. Très bien. D'accord. T'as toute mon attention. Allez, viens. On devrait rentrer. Bon bah écoute, on va aller dynamiter ça. Hein. Bon, y a pas de soutien, on aurait dû prendre la moto, je vous l'ai dit, putain. Ça y est, je suis chaud. On va voir si t'arrives à tenir le rythme. Ok, ça marche. Dis-moi, depuis quand passer du temps dans le No Man's Land fait de toi un expert en mutant? Tu passes ton temps à les suivre? T'essaies de comprendre comment ils marchent? Pas vraiment. Alors comment t'as appris tout ça? Anticiper ce que va faire une horde? Où ils dorment? Il y a quelques jours, je roulais au nord du cratère Belknap quand j'ai vu un hélico passer. Un hélico? Tu me fais marcher. Écoute-moi. C'était un hélico noir, comme ceux que le Nero envoyait un peu partout, quand ça a commencé à dégénérer. Ouais. Et t'en as vu un, en vol? Je les ai suivis. J'ai piqué une de leurs radios. J'ai essayé de retrouver leurs traces pour voir s'ils avaient une base dans le coin, du ravitaillement. Bref, de voir si les fédéraux sont toujours en vie, tu vois. Apparemment, ils font des recherches sur le terrain. Sur les mutants, ils les étudient. Ils ont l'air sources pour faire ça? Alors qu'on crève de faim,
et qu'on lutte pour... Je les ai suivis jusqu'à la grotte du Haut-Désert. Tu vois laquelle ? Ouais. Ils avaient posé des détecteurs de mouvement pour compter combien de mutants restent dans les grottes la journée. Mike, ils sont des milliers. Autant que ça. Bah ouais, c'est ça. Eh oui. Ils disent que ça grouille de mutants du côté des montagnes des Cascades, au sud de Crater Lake et au nord jusqu'à Smith Rock. Ils squattent les tunnels de lave pour hiberner. Alors, on en aurait moins c'est sur magnifique. Les bras si on faisait exploser les grottes. Je reprécise que je suis sur PC. Bon, on aurait dû prendre la bécane quand même. Hey, tu sais, ton plan là, il tient la route, mais... Si on veut y arriver, il va nous falloir un sacré paquet d'explosifs. T'as dit que tu voulais faire de Lost Lake un endroit sûr. Alors c'est comme ça qu'il faut faire. Bon. D'accord, écoute. J'ai une affaire à régler, ok ? Mais rejoins-moi au pont dans quelques minutes. Je sais très bien où en trouver. Cool. Et on va y aller. Saint John, tu devais te pointer à la ferme il y a une heure. Ils ont une belle pelle qui t'attend là-bas. Schizo, à propos de ça, je suis occupé là. Iron Mike et moi, on est justement de sortie. Tu vois ? Iron Mike et toi ? Tu vas aller de ce côté tout de suite, ok ? Ou je vous envoie dans le No Man's Land, toi et ton copain les copés. Tu m'as bien compris ? Avec votre bite et votre couteau. Ouais, ouais, je m'en occupe, terminé. Toi, t'es un ouf de parler comme ça. T'as besoin de quelque chose ? Un petit peu d'amour. Rouler avec Iron jusqu'à Charmoy, ouais, bah c'est ce qu'on va faire. Oh là là là, oh, si, tu peux y aller, t'as des genoux de jeune, toi, ça passe. Allez, je vais aller chercher la moto. Faut absolument que je remette de l'endurance à Pépé, hein, parce que là, vas-y, la bécane, putain, elle est là. Hop. On y va ? Et on va où ? Cette fois, tu devras me faire confiance. Ah, déchire sa moto, c'est un 8 cylindres son truc. Ah putain, les alors, mecs, c'est... Alors, on va où, au juste ? Tu sais ce qu'on cherchait dans les environs à l'époque ? C'est pas des V-Twins, ouais, c'est des Mercure, zombies des V-8. Exact. Du cinabre. On en tirait du mercure. Les gens à l'Est pensent qu'il y avait une mine d'or ou d'argent ici, mais ils ont tout faux. Au début du 20e siècle, bah, moi qui est genre, le cinabre valait plus que de l'or. Enfin, elle est pas moche pour non plus, mais mine, l'arrière d'un cross. De la TNT, on s'en sert pour les extensions, creuser de nouvelles galeries, déplayer avec l'avant d'un beau beurre. Et pour se procurer de la TNT, il fallait faire une demande auprès du comté. Parce qu'eux, ils ont un châssis d'Harley. Les clés des coffres de sécurité au commissaire. Attends, il est où le palais de justice du comté ? Je pensais que tu savais, il est dans l'ancien bâtiment fédéral. Ancien bâtiment fédéral ? Celui de Sherman's Camp ? Putain, Mike, tu déconnes. Tu m'as dit que tu remettrais plus jamais les pieds là-bas. Ah ouais ? Je m'en souviens pas. T'étais bourré. C'était juste après la mort de Joe. Et je t'ai dit pourquoi ? Là ! Tourne là ! Là ! On y est. Ouais, mais on est déjà venu ici. Ah ouais, il a un garde-boue et tout de fou. Mike, ça va grouiller de mutants. Je pense que c'est pas une bonne idée. Bah, si le temps se tient, ça devrait aller. Tu vois, là-bas, c'est l'ancien bâtiment fédéral. C'est là qu'on va. Poule. Bon alors, moi je mets la machette. Évitons de nous attirer des ennuis. N'entre pas dans les bâtiments. D'accord. Bien, il faut qu'on aille par là. Où est-ce qu'on va ? On reste cool. Suis-moi, la clé sera sur le commissaire. Tu sais où il est ? Enfin, son cadavre ? Ouais, je crois bien. Moi, je suis Iron Mike, hein, que je me fasse pas, Ouais. Tout le monde y est resté. Les hommes, repéré, les femmes, tu enfants. Vois. Seule une poignée a réussi à s'enfuir. J'en faisais partie, pas vrai ? Deux personnes seulement. Nora et moi. Pourquoi tu t'arrêtes de courir ? Ah, d'accord. Comment ça ? Ok. Regarde. Ouais, ça a été une exécution ici.
deux semaines. Plus de munitions. Les deux camps avaient organisé un sommet. Une trêve. Juste ici. Oh, on savait ce qui nous attendait. On le savait tellement bien qu'on s'était préparé. Le clash a pas duré longtemps. C'était un carnage. Il leur restait des munitions, en fin de compte, et ils ont... Putain, tu vois ce qu'ils ont fait. Ouais. Comme je te le disais, quand tout a été fini, il restait plus que deux personnes debout. Il y a des jours... Je regrette d'avoir été l'un des deux. Le commissaire est là, en tenue de comptable. Il va récupérer la clé qu'on fiche le camp d'ici. T'en avais rien à foutre de sceller les grottes. Tout ce que tu voulais... Tu m'as fait venir ici uniquement pour me montrer tout ça. Tu te trompes. T'as récupéré la clé, non? On va trouver les plans de la mine, comme on a dit, et on va se dégoter suffisamment d'explosifs pour sceller toutes les grottes de la vallée. Mon cul. Mais t'as raison sur un point. Je suis pas mécontent que t'aies vu tout ça. Je te suis pas, Mike. Je te parle de la guerre qui se prépare avec les Reapers. Celle que Schizo a si hâte de voir éclater. Tu crois qu'il se soucie de qui mourra dans un camp comme dans l'autre? Laisse tomber. Bien. Finissons-en. Il est fâché, hein. Voilà la porte. L'endroit est barricadé. Bien. Faut qu'on trouve comment monter. Ça sent la charogne à l'intérieur. Des têtards. Ouais, je les sens. Ça me dit rien qui vaille. J'ai jamais aimé les gosses. Tapait sur le système. C'était une source de tension entre Elisabeth et moi. Paix à son âme. T'aimais pas les gosses? Moi qui croyais que t'aimais tout le monde. Quasiment. Bon. Nous y voilà enfin. On a les cartes de toutes les mines du comté avec l'emplacement des stocks de dynamite. Allez, viens, on bouge. Ah. T'as entendu? Ouais. Est-ce que tu t'attendais à de la visite? Non. Je peux compter sur toi? Eh, j'aime pas commencer les bagarres, mais... Je sais les finir quand il faut. Reste derrière moi. Ah, j'ai pas de munitions. Eh, je suis pas grabataire. J'ai pas dit le contraire, c'est juste que... Tu te souviens la dernière fois où t'es sorti? Ok. Ouais, comme je disais, hop, dans la tête. Oula, t'as de la chance, toi. Voilà. Hop. Il y en a plus d'autres. Allons-y. Est-ce qu'il faut agir vite? Eh. Ouais, mais attends. Laisse-moi récupérer les trucs, s'il te plaît. Tu vas trop vite. Planque-toi. Mais non, c'est moi qui te suis, là. Des mutants. Alors, de dire cette connerie. On est en train de se faire déchirer. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah voilà, ils l'ont eu. Obligé de les tuer, hein. Ah, je te jure. Voilà, donc il se barre. Ouais. Oh. Il y en a qui est monté par là.
en arrière. Voilà. On a combien dans le bras là? Hop. Putain, j'ai plus beaucoup de munitions. Là. C'est ça, les gars. Récupérez. Ouais, petite bombe tuyau. Ouais, mets-toi. Tiens. Cadeau. Voilà. Il y en a partout là, il y en a partout. C'est bon, il n'y en a pas. Faut bouger là. Faut bouger là. Il est encore là lui, faut bouger. Oh là là, faut bouger, faut bouger. Non, là. Ouais. Attrape ! J'ai pas le choix là. Ils sont trop nombreux. C'est bien, Iron Mike là. C'est bon. Oh là, il y en a trop là, mais viens. C'est bien qu'il y ait une horde. Non, vas-y, il faut que je le tue parce que sinon il va pas bouger son cul. Bah ouais, mais putain, mais pourquoi il. Ouais, ça va, c'est tout part. Tu vas où là? Plus de balles. Si j'en ai encore 8. T'arrives à suivre, papy? Ouais, ouais, je te colle au point. Non, mais il y a un sniper, putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais lui, c'est un ouf, hein. Allez, les gars, viens. Bon. C'est parti. Là on va pas, je vais pas perdre trop de temps. Ça va être un attentat. J'ai pas de snipe. C'est bon. Putain, quel bordel! Maintenant, tu sais pourquoi personne entre dans Sherman's Corp. Adi sera furax si elle apprend que tu risques ta peau, là, dehors. Ah ouais? Attends, j'ai juste récupéré... Oh non, c'est pas grave, salut. Allez. Pas de moi! Un, deux, trois, quatre... Ah ouais, et c'est un 8 cylindres qui s'est mis dessus. À propos des Reapers, pourquoi t'as tenu à montrer ça? Tu sais, Dick, je me revoyais un peu en toi à l'époque où t'étais au camp. C'est-à-dire? T'en as plus rien à foutre. Ah, tu tiens ton pote, t'as pas envie qu'il meure. Mais moi, n'importe quelle autre personne, je peux crever. Les sentiments tuent plus vite qu'un mutant. Ouais, c'est vrai. Mais le truc,
c'est que quoi en avoir, ça tue aussi facilement. Ce que les gens de Sherman's Camp ont fait, c'est se focaliser sur eux et leurs proches. C'est facile de tuer quelqu'un quand c'est juste un tas de viande entre toi et ce que tu veux. Bah ça. Schizo veut éliminer les Reapers parce qu'il les voit plus comme des êtres humains. Ils comptent plus. Ils sont qu'un obstacle de plus à ses yeux. Mais moi, je vois les choses d'un autre œil. Pas de ça chez moi. Tu sais, Schizo, il se demande pourquoi je suis pacifiste. Oui, il aime bien m'appeler comme ça, et il est convaincu que je vais tous nous faire tuer. Et c'est le cas, Mike, tu vas tous nous faire tuer. Un jour, on sera débarrassé des mutants. Quand ils auront enfin disparu, il nous faudra des gens pour tout reconstruire. J'aime pas plus que toi, Carlos, et ses Reapers. Même chose pour Tucker ou Copland et tous ses compatriotes de merde, ok? Mais écoute-moi. Tu veux bien, Dick? J'ai pas l'intention de perdre mon temps à essayer de les tuer. J'ai eu mon lot de tuerie. Même si Carlos vient pour te tuer? Ma trêve tiendra bon. C'est une certitude. Pas sûr. Plan de fabrication débloqué, devoir faire des choses, d'accord. Donc on a attracteur. Ok, l'anniversaire des Rhodes. Alors attendez, je vais faire un peu plein de munitions. Je parierai pas là-dessus. Ta trêve tiendra plus très longtemps. Pour une fois, je suis de la vie de Schizo. Les Reapers sont plus des humains. Ça, c'est clair. Putain, ça paraît pas mal, ça, hein. Oh, ça coûte cher. Mais bon, je prends. Je rembourse pas, histoire que ce soit clair. Ça, ça peut être pas mal aussi, hein. Bon, attends, avant de faire tout ça... Ouais, sympa. Ouais. Là, je fais max, silencieux, non, silencieux, silencieux, non, ça m'intéresse pas. Les grenades, c'est bon. Casier, 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 hop. Donc, c'était ça que j'avais, hein. La M40, et là, on est dans un fusil C8. Ah ouais, carrément, 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 carrément. Non, hop, 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 hop. C'est satisfait ou satisfait? Si t'essaies de me rapporter ce truc, je te le fais bouffer. Donc c'est bon? C'est équipé? Oh, ok. Ah, ça va être beau, ça. Ça, c'est bon. Je suis pas sûr que j'ai des oreilles de grouilleur. Salut. Comment va la vie? On n'avait pas beaucoup. Okay. Bien. Voilà. Attends, qu'est-ce que c'était que ça? Bon, c'est super loin. Ouais. C'était de la pêche, là, de la boucherie. C'était pourquoi ça? Ah, c'est la cuisine. Quoi? T'as besoin d'un truc? Non. Ah, c'est pour des missions. Bon. Ne fous pas dans le passage. C'est quoi ce truc au fait? Il y a plus de livres, des plantes et de la viande. Okay. Ah ouais. Ah mais j'en ai pas mal, mais oui, j'avais tué des loups et tout, vas-y hop. C'est tout. Ah bah ça fait du bien. Voilà. Cool. Allez, chercher la moto, à mettre de l'essence. Là on a des belles armes. Il y avait personne qui... Okay. Non, pas de problème. Oh 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 là là là, faut parler doucement les gars là. Sincèrement, on est tous ensemble. Hein. Ben oui. Hein. Non, je me gratte la jambe. Hein. Je me gratte pas. T'énerve pas. Hein. Allez, on va mettre du pétrole. Oh, t'as l'endurance, elle est terrible là, dans le jeu. Je vais t'aider. Je fais que passer.
Je lui fais le plein. Ok, d'accord. À la plus, Dick. Allez, du coup, on va ici, je me souviens, scénario. Et c'est parti. C'est la moto, hein. Franchement. Je me demande comment va Boozer. Faudrait peut-être que je passe le voir. J'espère qu'il est réveillé. Deacon St. John, ici Lost Lake, répond. Ouais, Mike, Dick à l'appareil. On m'a dit que t'avais ramené Shane Riley, mais quand je suis allé le voir pour l'interroger, il était pas là. Ouais. À un sujet, Mike. J'ai essayé de rentrer, vraiment. Et il s'est pas laissé faire. Il m'a pas laissé le choix, Mike. J'ai pas pu faire autrement. Ah. Je me souviens de ce que j'ai dit. C'est une autre façon de procéder par ici. Ouais, Mike, bah, je me souviens. Terminé. Merci. Oula, y'a du monde ici, là. Dick, faut faire vite. Ricky, qu'est-ce qu'il y a? Ce type... Non, laisse-moi faire ma quête, là. O'Brien, je suis à l'une des balises. C'est la proximité du camp Rogue. Drifter, St. John, je veux dire. Bien reçu. Pourquoi je suis là? Je vois... un hélico approche de votre position. Soyez prêts. Terminé. Je suis là pour ça... Ouais, mais bon, au bout d'un moment, je vais pas me taper toutes les missions hélico, là. St. John, ils doivent être sur votre position, vous les voyez? Ouais, difficile de les rater. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Rapprochez-vous du chercheur. N'oubliez pas, vous devez rester dans les environs où je ne pourrai pas intercepter les données. Ouais, ok, j'ai compris. Et cette fois, il faudrait que vous placiez un traceur sur leur hélico. Ok, allez-y. Leur hélicoptère. Merci, je sais ce que c'est qu'un hélico. Ce que j'allais te dire, je sais quoi, ça a bugué ou quoi? Bon, mais on peut passer par là direct. On en saura plus rapidement. Parfait. Bon, je dois poser un traceur sur cet hélico. Ouais, ça va aller vite. Hey, les gars, allez faire un tour. Faut pas qu'ils voient. Voilà. Salut. Vous avez terminé là. Stop. Vous pénétrez dans une zone de quarantaine. Todo. Rester civilisé, non? Bon. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que il a validé mon traceur. Savoir si c'est pas sa femme là. Bien sûr, c'est pas comme si j'étais occupée. Pourquoi ils construisent des nids? On l'ignore. Et pourquoi ils les construisent seulement dans... Non, c'est lieutenant Bouffe. Des structures, des cabanes, tout ça. Il y a une théorie. Je veux dire, on n'en voit jamais là où crèchaient les animaux sauvages. Dans les arbres, dans la nature, seulement dans les bâtiments. Vous avez fini. Désolé. Ils ont une théorie au labo. Je pense que dès qu'ils seront prêts à en parler, ils fonceront au baraquement pour vous le faire savoir. Tu crois que je peux passer par là? Je remarque des trucs aussi, vous savez. Oh, c'est chaud, là. Je peux continuer? Allez-y. Au sud du cratère Belknap, certaines zones forestières de Belknap n'ont pas été inspectées. Les sites de nidification se trouvant à proximité des campements humains, notamment d'un vaste camp situé à... Mais lui va me repérer, lui. Attends, je vais mettre un caillou. On sait jamais.
Et maintenant. Si on regarde le camp au sol. Ça devrait être cool de voler un peu partout. C'est le moment. D'avoir encore le tombeau qui naît. Oh, putain. Brian, c'est fait. Je vais faire tout le tour. Je me tire d'ici avant d'être opéré. Ils sont loin. C'est tout bon. Quand on a survolé Farewell, il y avait un sacré paquet de mutants. Ouais, plusieurs dizaines. Bon bah voilà, ça c'est tout bon. Allez, Boozer. On y retourne. O'Brien. O'Brien, vous êtes là ? Je ne peux pas parler pour l'instant. Je serai sur cette fréquence plus tard. Terminé. O'Brien, oh, c'est chier. Ça commence à en avoir ma claque des fautes larbin, O'Brien. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce type qu'on recherchait, Eric Lynch, celui qui a tué Campbell et Reed, à la ferme. Lynch, man. Tu sais où il est ? Oui, il est sur la côte nord, au vieil embarcadère. Schizo voulait partir à sa recherche, mais Iron Mike voulait que ce soit toi. Je le trouverai. Merci, Dick. Fais vite. Ça passe. Heures. Comment tu te sens, champion ? Dick. Je sais pas pour toi, mais... j'ai besoin d'un coup de main. Toi, reste allongé. Oui, chef. C'est bien, il a de l'humour. C'est trop tôt pour qu'il ait de la visite, mais... j'ai besoin d'un coup de main. Ok, on se voit plus tard. Je bouge pas de là. Hey, Doc, sérieusement. Est-ce que je pourrais jouer du piano quand tout sera fini ? Très drôle, William. Allonge-toi. Et je pourrais peut-être faire des gammes. Non, je suis sérieux, je ferais... Comme tu peux le voir, il se porte comme un charme. Sa fièvre est tombée. Super, c'est cool. Bon, je dois filer, j'ai des trucs Deacon, à régler. Comme je te l'ai dit, William te doit une fière chandelle. Boozer me doit rien du tout. Bien au contraire. Hé. J'en ai sauvé deux autres. Eddie et Mia seraient morts sans ces antibiotiques. Je tenais à ce que tu le saches. Ok. Hop. Ah. Pompe de Boozer. Il a l'air de reprendre du poil de la bête. Eh bien, écoute... Oui. Ah, c'est ça, chasseur de primes. Ouais, ça va taper, là. Bon, bah écoutez, moi, je vais arrêter la vidéo ici. Et puis, bah, ça sera la prochaine mission. 774 jours, quand même, ça passe vite, hein. À bientôt, ciao.